théâtre à présent, et s'il avait son linge sale, avait pour autre cadre que celui de la famille ou le canton, le célèbre dicton. Avec pour unique cadre une laverie dans une petite ville, la comédie Une chance au lavage a ravi les spectateurs tirossés. Si vous ne faisiez pas partie de cela, nous vous offrons quant à nous une chance au rattrapage. L'association Culture et vous proposait au cinéma de Tyros une pièce de théâtre venue tout droit de Paris. Quatre comédiens professionnels se retrouvent alors sur scène pour nous faire part d'une comédie dynamique intitulée Une chance au lavage. Ça se passe dans une laverie. Et dans cette laverie, il y a pas mal de personnages, un boucher, sa femme, le propriétaire de la laverie et un gendarme. Et chacun a une histoire, chacun a quelque chose à cacher, chacun a ses secrets. Alors moi, j'ai quelque chose à cacher en tant que boucher, quelque chose que j'ai caché dans la laverie. Ah, et ça. Je n'aimerais pas que ça tombe dans les mains du policier. Je ne le dis pas fort parce qu'il est là. Et voilà, donc moi, je panique tout le long de la pièce. Il faut absolument que je récupère cette chose. Tu vas rester longtemps ? Ah, s'il n'y a pas d'urgence, je reste la journée. Oh, mais ça m'arrange pas, ça ! Ah oui. Ça vous dérange que je sois là ? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Or, ma femme a un autre problème. Moi, je ne le vois pas, mais je crois qu'il se passe quelque chose avec le propriétaire de la laverie. Mais tu n'es pas au courant. Mais je ne suis pas au courant. Il me semble. Voilà, elle a une liaison, je pense qu'elle a une liaison. Ah bon ? Hein ? Non, j'ai rien dit, pardon. Eh ben, parce que lui, il n'était pas là. Comment tu sais ça, toi ? Et le jeune homme qui tient la laverie, qui s'appelle Hervé, il est soupçonné de faire un trafic de drogue entre la France et la Hollande. Parce qu'il revient de Hollande, là. Certaines substances interdites. Donc c'est pour ça qu'un gendarme arrive dans cette laverie. Il va réussir à trouver... Il est un petit peu trouver... débordé, il faut bien le dire. Ouais, il est un peu débordé. Il a des problèmes avec sa femme, il n'est pas bien. Mais il va finir par trouver quand même la vérité sur ce trafic. Et la vérité sur ce trafic, nous ne vous la dirons pas parce que c'est une révélation. Un coup de théâtre. À laquelle, je pense, on ne s'attend pas. Ouais. Non ? Ah oui, non, mais moi-même, je suis encore surpris. T'as lu la pièce, À chaque fois que je la joue, je suis encore surpris. Non, c'est pas possible, pas lui. Et là, forcément, ça va partir en quiproquo et en embrouille. Et à la fin, ça se terminera par une chanson. Voilà. Après 1h30 de fou rire, les comédiens sont acclamés par un public conquis. Eh bien écoutez, on a trouvé ça super, beaucoup d'animation, quelque chose de très dynamique, vraiment une belle mise en scène et puis une belle histoire. Un moment vraiment agréable, rigolo et vraiment on repart avec une bonne pêche, ça c'est bon. Moi j'ai trouvé super que l'auteur soit sur scène et c'est assez rare de pouvoir profiter d'un auteur et d'un acteur. Voilà, donc on a passé vraiment un très très bon moment. Très bon moment, bonne ambiance, voilà. On a envie d'ouvrir une laverie. Ben, à entendre ce qui s'est passé dans la salle, j'ai eu l'impression que ça convenait aux spectateurs. L'ambiance était chaleureuse, était bonne, ça a bien applaudi, ça a bien réagi. On va dire satisfait, à renouveler.